Bonjour à tous et bienvenue dans une semaine particulière. C'est trop bien fait. Waouh. Une semaine dans laquelle, pour fêter les 2 ans d'Animal Crossing, nous allons, mes comparses et moi-même, réaliser différents objectifs. À toi Théo. Des objectifs qui se trouvent sous vos yeux et que nous allons vous énumérer à tour de rôle. À toi Thomas. Ah oui, pour cette aventure sur Animal Crossing, nous allons avoir plusieurs défis à réaliser au cours de notre aventure. Toi, Théo. Oui, c'est ça, plusieurs défis qui font que nous allons être plus ou moins en concurrence, Linka, Actuan et moi-même. Ces défis nous permettront tous de gagner ou de perdre des points. Ces points nous serviront à la fin de la semaine à établir un classement et le gagnant se verra offrir 50 subs par chacun des deux perdants. Soit 100 subs en jeu. Waouh ! Yo, petit message en début de vidéo pour vous annoncer qu'après tant de demandes, j'ai enfin décidé de créer une nouvelle chaîne consacrée à toutes les rediffusions de mes lives. Donc elle s'appelle Actuan Replay. Je la mets en première ligne de la description et je vous invite à la suivre si jamais vous ne voulez louper aucun live, voilà, aucune rediffusion, elles sont toutes affichées sur cette chaîne. Donc voilà, bonne vidéo tout le monde. Je vais lire les défis classiques. Messieurs, dames, avoir Rosie, 3 points. On n'avait pas dit 5 Attends, points. Ouais, bon, alors ça commence mal. Attendez, c'est 5 points. On rappelle qu'il y a 400, plus de 400 personnages, donc si on arrive à choper Rosie, c'est un miracle. Concours de personnages. Vous savez que quand on va commencer notre île, on va avoir 2 personnages aléatoires. On va faire un sondage pour savoir qui a eu les meilleurs. Ça rapportera un point à celui qui a les 2 meilleurs. Mais vous votez au personnage, pas au streamer. Hein. Ah oui, vraiment. C'est vraiment en fonction de la présentation et du duo. Axan, il a peur. De quoi ? Vous ne votez pas avec le streamer, hein. Non mais toi je vais t'éclater hein. Non, je vais te grind, je vais avoir les deux persos les plus stylés du jeu. Ça se crache tout dès le début. Défi de rapidité, le premier à installer la boutique, la mairie et le musée, donc ça fait 3 points avec ça. Le premier à rembourser le deuxième prêt, le premier à faire tomber un cadeau dans le ciel. Quand tu te fais piquer par une abeille, c'est moins un point et c'est renouvelable à l'infini. Le premier de nous trois qui chope 5 barres communs, donc vous allez pouvoir compter et être attentif, il a moins un point. Et les règles, on n'en a pas beaucoup. Pas de time travel, pas de visite sauf pour la roue. On joue les mêmes heures de jeu que en live, sans sub à gagner. Durée une semaine, bilan dimanche prochain. Si on croise l'un de ces personnages au cours de cette semaine, on gagne un point. Ça c'est donc, valable quand on pour y tous, croiser, hein. Ouais, pour tout le monde. Attends, c'est quand qui on y croiser. C'est qui a pris de ref avec le ref vert avec les cheveux jaunes là? C'est Narcisse. Pas mal de Narcisse. Non, mais tu parles pas mal de Narcisse. Oh, je suis désolé, mais il est éclaté quand même, Arnaud. Mais arrêtez, Narcisse, c'est le boss. Mais en plus, il y en a un qui a pris un ratus avec des grandes oreilles, il est ignoble. Mais c'est Joachim. Arrête, c'est Joachim. C'est le pire perso de la Terre. Mais c'est Joachim, c'est Joa putain de Kim. Mais quel des roues plaquettes. Putain de Kim. Les personnages à ne pas croiser, donc ceux sur qui on perd un point. Je crois que le pire de tous, c'est l'espèce de pingouin chelou là. Urbain, je l'aime bien. Urbain, j'avais la mâchoire serrée à chaque fois. Moi, celui qui m'énerve le plus, c'est le babouin. Les goths ultimes, c'est les personnages. En gros, eux, si on les croise, c'est plus 3 points. J'ai pris Nefertiti, je la trouve trop mimi. Thomas, t'as pris Footix, aka Dimitri. Et Arnaud. Wolfram, le beau gosse avec la grosse voix suave. Donc, on est bien d'accord que si par exemple, même moi, si j'ai pris Nefertiti, si Thomas, tu tombes dessus, c'est plus 3 points pour toi. Je suis prêt à montrer les pires. Si on tombe sur les 3 là, c'est moins 3 points. Emilien, il fout les nerfs. Moi j'aime bien le pingouin. Quoi? Tu peux le voir comme ça, mais dès que tu le vois, son comportement et tout, y'a rien qui va, il est horrible. Dès que vous êtes prêts, vous me dites j'appuie sur A et c'est parti. De quoi? On lance Animal Crossing tous en même temps. Oh! 1, 2, 3. Mais non, c'est quoi mes personnages? Yes, let's go Arnaud, parfait. C'est quoi ce truc? J'ai un putain de babouin catcheur. Par contre, j'ai un de mes deux habitants, il a l'air incroyablement stylé. Mec, il est trop beau. Non, au début, on peut pas faire. T'as qui? Non. Il a qui? Non. Mais quelle chienne du cul. Les gars, j'espère que j'ai un banger, j'espère. Imagine, j'ai Rosie, bam. Oh non. Toi, c'est Thomas. Mais attends, t'as quitté. J'ai 4 aussi. Attends, mais là, c'est vraiment une chance sur 410, genre. Gros, une chance sur 410, on tombe sur la putain de 4 qui passe sa vie à chanter. Mais non, on perd un point, wesh. Non, c'est si rapide. Oh, il est moche, lui, aussi, c'est qui? C'est qui, lui? J'ai jamais vu tellement il est moche. il a dit. Tommy, en tant que nouveau porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux? Bon, oui, Tommy qui n'a pas kiffé, je crois. Ok. Qu'est-ce que t'as? Tu veux devenir mon meilleur pote? Pourquoi tu me colles? Yo Tommy, j'ai installé ma tente à un endroit très chouette. C'est un peu grâce à toi, merci de m'avoir aidé à choisir. Pourvu qu'on continue à s'entraider comme ça à l'avenir. C'est chouette d'avoir un ami, Toutouf. J'ai fait oublier, voilà un cadeau pour te remercier, je suis si content de mon emplacement, Toutouf. Oh. Ouais, bon, j'ai pas donné de commentaires par rapport au chapeau. C'est l'intention qui compte, on va dire.
J'entends un cadeau. J'entends un cadeau. J'ai un lance-roquette ou pas? Un lance-roquette. J'ai un lance-truc. Non, non. Il y a un cadeau sur mon île. Je peux pas le ramasser. Dommage. Non. Alors, on va naître les créatures à Tom Nook. Comme ça, il y aura le truc pour Thibou. Je crois que c'est 5 créatures. Vas-y, je vais naître le bar commun et le bar. Comme ça, c'est fait. Hop. Vas-y, père jaune. Attends, là, c'est bon, non? Je vais être le premier à placer le musée. Thibaut a désormais un emplacement, il va pouvoir s'installer. Les gars. Ouais, mon ref. J'ai l'emplacement pour que Thibaut il s'installe. Ça compte comme le musée ou pas? Bah ouais, hein. Ça compte? Bah ouais, ça compte, t'as un point. Putain! Non! Merde! Ça fait un bug sur mon... J'ai cru que j'avais déco mon truc. L'expérience qui fait... Eh oui, moi j'ai le temps de lire les dialogues et de faire les quêtes de rapidité en premier. Après, du coup, il est à 0 points, quoi. Bah, je suis ex-écho avec toi, quoi. Bah non, moi j'ai un point. Quoi? Bah attends, tu te rappelles pas? Non. On était à moins 1 tous les deux, Thomas. Du coup, là, t'es à 0. Ouais, mais Arnaud, il dit qu'il a un point. Ah non. Ok. Ouais, il a essayé d'entourlouper. Ça rigole, rigole. J'aimerais bien trouver à chaque fois, parce que du coup, il y aura une note sur la maison aussi, donc il faut que je récupère des meubles où je peux en trouver. Donc il y a les arbres. Le problème des arbres, c'est qu'il y a les guêpes. Si je me fais piquer, c'est moins un point. Donc ça, faut faire gaffe. Ah, filer pour attaper les guêpes. Ouais, mais je sais plus comment ça marche. Pour les choper, genre, je suis plus aussi sur un qu'avant et c'est un point si je me fais piquer, j'ai la flemme. Cavale, 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 cavale. Non, je spam pas. Ah, je spam pas. Non, 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 je prends pas de risque. Après, ce qui est bien, c'est que si j'arrive à choper des guêpes pour le musée, bah, ça me donne un avantage sur les gars. Je sais pas s'ils prendront ce risque. Mais non, c'est chaud. Let's go, let's go! Messieurs. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore? Arrête, Thomas! J'ai l'impression qu'un cadeau vient de tomber sous mes pieds là. Non, oh non! Putain, fais chier, mais t'as blé la tête! Oh putain, t'as un point du coup! Oui, j'ai l'impression. Hop, bah tiens, 5000 clochettes dans le cadeau. C'est vrai? Ah oui, mais je vais pas mentir. Ouais, 5000 clochettes en plus! Oh non, c'est trop là! Mais non, c'est pas assez. Let's go. On a le premier prêt. Et là, faut que je fasse le deuxième. Il me demande combien. Ok, 100 000 clochettes. C'est bien, c'est bien. On avance bien. Je sais pas par contre les gars où ils en sont. Les gars. Toi et tes miles, cassez-vous. Ouais, bah le premier prêt avec les miles, ça a été fait pour moi. Ouais, moi aussi. Ah, toi aussi? Bah oui. Depuis quand? Ça fait un petit moment. Hein. Les 300, s'il te plaît. Yes, let's go. Let's go, je rembourse mon premier prêt. Ça me fait pas un point, c'est le deuxième seulement. Yes, let's go, voilà pour toi. Prends ma thune. Ah ouais? Bah ouais. Mais attends, ce qui compte, c'est d'abord à quoi ça sert le prêt avec les miles? On s'en fout en vrai. Le but, c'est pour la maison. Mais du coup, mais il faut quand même que tu rembourses le premier, quoi. Donc c'est le deuxième qui compte. Ok, tout n'est pas perdu. Tranquille, tranquille, les gars. Ouais, tranquille. Dépêchez-vous de fermer les clochettes. Pourquoi? Ok. Je me suis muté, je répondrai pas. J'essaie juste de l'embrouiller, je n'ai plus que ça, je n'ai plus que ça. Oh, let's go. Du premier coup, c'est le bon. Oh non, l'idiot! Le frigo, il a gêné! J'ai perdu 8000 clochettes! Aïe, 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 aïe! Non, 8000, c'était trop! Non, non! Oh non, j'ai fait une erreur grave, là! Ça serait bien que je secoue un arbre et qu'il y ait un meuble dedans. Non! Par pitié, non! S'il te plaît! S'il te plaît, non, je suis mort! Non, 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 non! Cours! Je t'en supplie! Non! Qu'ai-je fait? Reconnecte-toi! Non! Bah, tu as tout cassé? Comment ça, il a pété son PC? Oh non! J'en ai plein cul! Mais c'est quoi cette malchance? Je secours un arbre, je tombe dessus! Non, c'est trop, j'ai moins un point, putain! Hop, piqûre pour moi. Hein? Moins un point, let's go! Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien, en gros, j'ai secoué un arbre, j'ai eu le malheur de secouer un arbre super loin de moi en me disant, oh, j'aurais peut-être un objet parce que je suis en retard. Je suis arrivé devant mon truc, j'avais le filet à la main, il a mis un coup de filet sur la tente, terminé. C'est dommage ça. Par contre, j'ai tapé mon bureau, j'ai tapé mon bureau et je crois que j'ai cassé mon HD60S. Quoi? Quoi? T'as attends, ragé t'es un nerveux sur le jeu? T'as réussi à rager sur Animal Crossing? Mais normal, la malchance, je secoue un arbre, je suis le plus en retard. Il a ragé sur Animal Crossing! Mais les gars, mais j'ai pas de chance aussi! C'est facile quand on a pas de perso de merde dès le début et quand on tombe sur un putain de ballon dès le début avec 5000 clochettes dedans! Vos gueules! Vous passez vos vies à gueuler quand vous jouez en stream et. Trop marrant. Wesh. Quoi? Non mais alors lui, mais attends, il est où maintenant? Il parle d'où? Bah mon PC a planté, hein. PC l'a planté? Ouais, écran bleu et tout, trop cool. Bah what the fuck? Quoi? Mais je sais pas gros, j'étais en train de vous parler et d'un seul coup, bam, écran bleu. Ah putain, va dans ton chat et mets slash host linka. Ouais mais gros, le PC est écran bleu là. Putain, ça tombe, ouais, par contre. Vas-y, bah je reviens dès que possible. Ouais, à tout de suite. Let's go, on va pouvoir avoir de l'avance.
Non, moi, par respect, là, depuis tout à l'heure, je tourne en rond, je fais rien. Pareil, je fais absolument rien. Parce qu'en vrai, le pauvre. Dès qu'il a dit qu'il avait bugué, j'ai tout de suite arrêté mais tout ce que j'étais en train de faire. Ouais, pareil, là, je ne fais plus rien du tout. On va quand même pas continuer à full farm. Non, ah bah non, ça serait pas du jeu. Non, ça serait pas du jeu. Putain, c'est vraiment dommage que Massu ait planté son live. T'es à combien de viewers, toi? 3000. Le braquage! J'ai l'impression que notre copain, c'est à la fois une mauvaise et une bonne chose qu'il est bugué, quoi. Et non, c'est une mauvaise et c'est pour ça que je ne joue pas, par respect. Ah, mais moi pareil, là par contre, je fais plus rien depuis tout à l'heure, hein. Impossible de jouer, j'arrive même pas à regarder le jeu dans les yeux. Tant qu'il revient pas dans le VOC, je ne relance pas le jeu. Mais pareil, mais il compte sur moi. Heureux, les gars, j'ai oublié de vous rejoindre. Ah! Ça y est, il est là! Tu m'as manqué, je me demandais quand t'allais revenir parce que là, j'ai la manette posée sur le bureau depuis tout à l'heure et je suis en train de faire autre chose, j'attendais. Sérieux? Ah oui, par respect? Non, vraiment pas? Ah oui, bah oui. J'ai l'impression que vous mentez, les gars. Non. T'as attendu et tout? Bah non, attends, ça se fait pas. Ça se fait pas, mec. Ouais, c'est marrant, ça fait genre 30 minutes quoi. Vous m'avez pas envoyé de message. Mais on était sur Warzone, Ah, sérieux, putain, bah c'est marrant parce que j'ai le live ouvert et je vois Animal Crossing New Horizon sur vos lives. Merde, j'ai oublié d'enlever la catégorie Animal Crossing. Quel mytho. Non, ça dégoûte. Non, putain, ça dégoûte. Vraiment... Attends, donc nous, on t'attend gentiment et tu doutes? Non, mais pardon, c'est vrai, je sais pas ce qui m'arrive. Ouais, les gars, y'a un turbo poisson là, j'ai envie de prendre le risque. Vas-y, prends le risque, Thomas, prends le risque. Prends le risque, Thomas. Il est gros, sa mère, hein. Vas-y, prends-le. S'il te plaît, ne crie pas de joie, je t'en supplie. Ne crie pas de joie. Ça va m'enterrer psychologiquement. Non, en vrai, il est trop gros là. Il est trop gros, c'est pas un bar. En vrai, très gros, c'est pas les bars, hein. Mais ouais, mais c'est limite, hein. Je sais pas, je stresse. Prends le risque, Thomas. T'as un point, t'es grave en avance sur nous. C'est vrai que t'as une avance considérable, hein. Je me lance. Les gars, je me lance. Allez. Non, c'est un bar. Comment tu sais? Attends. J'ai mis ton live, tu vas pêcher ton live carrément à tout mon chat. J'ai paniqué. Quoi? T'as annulé? J'ai paniqué. Mais comment ça t'as paniqué? J'ai cliqué avant qu'il ait mordu. Dommage, 10 000. Wow, j'ai eu un truc super rare, j'ai eu un gobi d'eau douce. C'est rare ou pas? Ouais. Normalement tu l'offres au Tom Nook qui se met en larmes. Jure, Tom Nook il est en train de se déshabiller. Qui commence par présenter ses villageois? En vrai, je suis chaud de prendre le risque, c'est pas de commencer. J'espère que le public prendra en tout cas en considération le fait que je sois le premier à passer à la casserole et que du coup, forcément, j'ai une pression énorme. Ah, mais y'a pas de pression du tout. Tu peux passer en premier, moi ça me dérange pas du tout, tu sais. Ah ouais, donc bah, comme par hasard, je voulais le faire et lui il décide de passer devant. Une fois de plus, il essaye de briller quoi. Non, mais tu fais comme tu veux, mais si ça te met la pression et tout, moi ça me dérange pas quoi. Oui. Non, mais ok, vas-y, passe en premier. Moi ça me met la pression, Ah, il est moche son perso. J'aime bien moi. Ah, il est horrible. Messieurs, dames, non, j'aime beaucoup, bienvenue sur mon île. Laissez-moi vous présenter mes deux personnages. On va commencer par Katz qui se tient juste ici. Regardez, sourire avec son petit panier, toute mignonne. On va lui parler directement. Voilà, ça commence. À peine je la. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec Katz, elle est super mignonne. La sienne, elle est super gentille. Effectivement, c'est un des personnages bien, considéré comme étant l'un des mauvais personnages. Vous avez bien vu ma réaction quand elle est arrivée sur mon île. J'étais pas forcément le plus joyeux, mais il s'avère qu'elle m'a fourni un plan qui me permet de me faire un maximum de thunes. C'était absolument pas prévu et ça fait extrêmement plaisir. De plus, Katz, toute mignonne, regardez, je lui parle, qu'est-ce qu'elle me dit? Faut que t'arrêtes de m'entourer d'attention, je vais finir par plus me sentir autrement. Voilà, c'est la bonne ambiance, c'est la déconnade. Katz, c'est mon premier personnage. Je vous montre le deuxième personnage qui est mon coup de cœur. Je vous en cache pas, c'est mon coup de cœur. Je vous montre mon deuxième personnage. Ok, il est stylé, j'aime bien. Il s'appelle Doc. Sa mère. Moi j'aime bien, voilà, je suis honnête. J'ai dit, c'est mon gars Adolphe. Arrête. Ok, moins un point. Oh là, moins un point. Je me suis toujours dit, il y en a pas deux comme moi. Et puis je t'ai rencontré. Voilà, c'est ce que je dis, on est connectés sur la même longueur d'onde. Si nos muscles pouvaient parler, ils en auraient des choses à se raconter. Mais oui! Là, c'est Dolph, ça sent pas bon pour moi. Hein. Non, mais voilà mes deux personnages, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. Ok. Bon, pas fan a priori, pas fan. Moi je les aime trop, ils sont mignons les deux. Non, franchement, t'en as un sur deux qui est vraiment lourd. Bah ouais, de fou. Attends, Dolph il est incroyable. Non, t'as 4 qui j'aime bien et Dolph, bon, pas ouf. Quoi? T'es en train de préparer ton discours, Thomas? Ouais, il prépare son discours. Non, mais c'est vrai que 4, je trouve, c'est un bon perso, moi j'ai bien aimé. Je pense vraiment qui prépare un discours, quoi. Oui. On a capté ton petit jeu de manipulateur, Thomas, c'est dommage. Je vais passer à la présentation de mes deux personnages et j'espère avec sincérité qu'ils vous plairont. Je vous présente tout d'abord. Il a la tête du fond. Il a célébré en disant que c'est un croco. On s'entend particulièrement bien, vous allez le voir. J'arrête pas de te rencontrer aujourd'hui. T'essaies d'occuper tout le terrain, Mariole. En fait, c'est un petit rigolo. Et je vais aller voir mon autre copine. Wesh. Mais à quel moment il a dit que c'était bien ce qu'il avait? Et oh, mais elle pêche. Gertrude. Fais un temps parfait pour lancer sa ligne, la poussière à gaz tenir. Merde. Je peux pas. Attendez.
Gertrude. Ah non, il est trop moche. Rien que pour ce personnage-là, je suis désolé, il perd. Les gars, je peux pas vous montrer Gertrude, elle pêche. Mais Arnaud, t'as crié au début de ton live et tout, t'as fait tout un pataquès pour ça. Il est trop beau. Non, t'abuses. Objectivement parlant, c'est pas fou. Objectivement parlant, t'en as un qui a une tenue qui s'appelle tenue de bouffon. Et le deuxième avec sa combi rose, là, y'a rien qui marche. Y'a eu aucune synergie entre vous deux en plus. Mais de toute façon, on doit présenter les habitants, pas le fait qu'ils nous aiment de tout leur cœur. Bah oui, mais bon. Vous êtes juste des rageux, il est trop beau. Et Gertrude, putain, du coup, je peux pas vous la montrer, mais en gros. Ouais, mais c'est bien dodo déjà. Bah ouais, mais bon, tout le plus intéressant, c'est ce qu'il y a devant en fait, Gertrude. Et bah attends, viens, on met une image de Gertrude tous. Vas-y, montre-leur Gertrude, mais en gros, Gertrude, elle a été rejetée de sa forêt de naissance parce qu'elle était moche. Et ça lui a brisé le cœur et ça en a fait une femme forte, une femme qui se laisse plus abattre par les petits problèmes de la vie. Tu l'as bien défendu, mais waouh. Mais en fait, du coup, t'es en train de juger vraiment purement sur le physique alors que je viens de te dire que c'est une femme extraordinaire. C'est le but, tu viens de le dire toi-même. Si on juge pas sur les relations, on juge sur le physique du coup. Et bah, physiquement, ça va pas du tout. Tu peux ne pas juger nos relations, mais juger sa personne. Et c'est une très belle personne. Ouais, si tu le dis. Bah, écoutez, les gars, vous avez tous les deux le perso maudit. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai deux amours. Je suis très fier de mes persos maudits. Et même s'ils gagnent pas, je les défendrai corps et âme pour toujours parce que je les aime moi de tout mon cœur. Bah, c'est beau ça, Arnaud. Je vais vous présenter mes deux superbes habitants. J'ai vraiment été gâté par le jeu. On va le garder pour la fin, c'est le meilleur pour la fin, lui. Alors, c'est le meilleur et c'est ça. Elle est là, c'est bien évidemment Kat. Ma suite vous a déjà présenté la sienne, mais la mienne est encore plus incroyable parce qu'on est déjà comme chien-chat, j'ai envie de dire. Merde, non, c'est pas ça l'expression. On s'entend trop bien, voilà. Encore toi, décidément, cette ville est trop petite pour nous deux, cowboys. Il y a une petite rivalité positive entre nous. C'est vraiment cool. J'adore notre relation avec Kat. Elle est démoniaque, elle fait des trompeurs. Mais mec, c'est abusé. Mais Kat, c'est vraiment le pire perso. Tous ceux qu'on ça peuvent pas gagner. Elle est horrible. Mais si, moi, elle était trop mignonne. Non, pas du tout. Et je vais vous montrer maintenant le meilleur pour la fin. Il est horrible. Oh, ses habitants, ils pullent. Oh, mais quoi. Ça, c'est mon gars. Mon gars, Roy. Et déjà, son nom, il impose. Il impose. En plus de ça, pour ceux qui suivent mes lives sur Mario Kart, Roy, c'est aussi lui. C'est le personnage que j'incarne sur le jeu. Moi, quand je suis tombé dessus, j'avais les larmes aux yeux, les yeux larmoyants. Parce que c'est Roy, c'est tout pour moi, c'est beaucoup. Et voilà, qu'il ait le même prénom, c'est juste mon gars quoi. En plus, il lui ressemble. Bon, moi. Bon, Thomas, toi, c'est chaud, hein. Dur, hein. Quoi, pourquoi? Bah, t'as les pires persos de la Terre, en fait, hein. En fait, t'as la même quête que moi, mais en moins bien parce qu'elle fait que se plaindre et y'a pas de synergie. Et Roy, Mon gars, Roy. Let's go. Mon gars Roy, il a pas fait d'unanimité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est honteux. Gagner alors qu'on a des personnages qu'on avait élus comme étant les pires du jeu. Oh, c'est bon, je remonte dans la course. Je suis à -1 du coup. En vrai, pour moi, c'était qui gagne. Quoi? Mais tes persos, je suis désolé. Gertrude, c'est -10. Quoi? Et l'autre, t'as cassé le bouffon. Vous éloignez une femme battue. T'as dit l'histoire, on s'en fout. Et là, t'es en train de parler d'inventer une histoire. Par contre, Dart, on est avec 100 fois. Ah, attendez, mes viewers ont pas pu voter apparemment. Bah, dans tous les cas, t'as combien de viewers? Tu veux m'humilier? Non, c'est une vraie question, t'as combien de...